Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la bibliothèque de Motion 5. On va voir tout ce qu'on peut trouver comme chose utile dans cette bibliothèque. Pour ceux qui suivent mes tutos Motion depuis le début, on s'est beaucoup intéressé au texte. On va entrer maintenant dans une deuxième partie où on s'intéressera plus aux effets, aux particules, aux réplicateurs, autant de choses très utiles dans Motion 5. Et pour cela, on va déjà voir ce que l'on trouve dans la bibliothèque. Alors la bibliothèque, c'est le deuxième onglet ici en haut, et si on regarde, c'est un certain nombre d'objets différents. Le premier, ce sont des comportements. Comportement, c'est quelque chose qui s'applique à un objet, hein. C'est pas un objet en soi. C'est par exemple, je trace un cercle ici, je vais lui appliquer un comportement. Par exemple, je vais faire animation standard et ici faire un lancer. Donc j'applique ça au cercle, et vous voyez, si je lance ici mon cercle, regardez, mon cercle va hop, bouger ici comme ça. Je pourrais lui appliquer d'autres. Ici, par exemple, je pourrais le faire osciller comme ça. Je pourrais aussi lui faire graviter. Hein, je ne sais pas si c'est ici. Et je peux chercher des effets en faisant recherche ici. Je vais chercher gravité. Je ne sais plus où il est. Celui-là. Ouais, là, il est là. Hein, il est dans, c'est un des effets proposés. C'est une manière aussi de chercher les effets quand il y en a beaucoup. Et alors, par exemple, si je fais gravité en plus, regardez, en plus, eh ben, il va, en plus de faire ça, mon cercle, il va hop, monter, mais il va être attiré vers le bas. Mon lancer va être compensé par la gravité. Et donc, ça va donner une espèce de chute naturelle où l'objet s'accélère. Donc, les comportements s'appliquent à des objets préexistants, hein, ici. Et ces comportements, on les trouve soit ici, et on peut les visualiser là. Par exemple, ma gravité consiste à le faire descendre en bas. Soit on peut les trouver ici, hein, dans la petite roue. Et comportement, animation standard. La gravité, je ne sais plus où elle est, mais ça doit être, voilà, simulation, gravité, elle est là. Mais ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut les voir en même temps. Hein, là, on voit ici. On va passer à la deuxième famille, ici, de notre générateur, qui sont les filtres. Alors, les filtres, de la même manière, on les a là, mais on les retrouve ici. Voilà, ici. Donc, il y en a beaucoup que vous n'avez pas, hein, parce que ce sont des filtres qui viennent de plugins extérieurs. Mais vous avez au moins ceux-là, les distorsions, par exemple, les durées ici, les bordures ici, les éclats ici et bien d'autres. Vous devez avoir l'étalonnage ici, les flous ici. Alors, ce sont là encore autant de choses qu'on applique à des objets préexistants. Si je veux mettre un flou par-dessus, alors soit je l'applique ici comme ça, sur hop. Voilà, j'ai mis un flou. Pomme Z pour l'enlever, soit ici le filtre, si je vais chercher un flou, alors ça peut être autre chose, ça peut être aussi un écran hachuré, je fais comme ça, je le drop ici, et vous voyez, j'ai un écran hachuré qui s'est posé sur mon cercle. Bon, c'est peut-être pas forcément un bon exemple, mais si je remonte en haut, tous, on va regarder, si je fais par exemple anneau de verre, bon, sur le cercle, je sais pas ce que ça va donner aussi, mais voyez, voilà, on a un anneau qui s'est créé autour. Tous les filtres et les effets différents qu'on peut mettre, qu'on a les familles effets de Final Cut, ici on la retrouve, l'étalonnage, si on veut étalonner une image, mettre un éclat ici, mettre du flou, ou alors faire des mosaïques, hein, si je veux mosaïquer mon, une image, etc. Vous voyez là, hop, j'ai créé une petite mosaïque avec mon objet. Alors si je grossissais ce cercle, vous verrez, ça se verrait mieux. Voilà, j'ai créé une petite mosaïque et en plus j'ai un écran hachuré par-dessus que je peux enlever. Regardez comme ça. Mon anneau de verre, je peux l'enlever également. Et ma mosaïque, je l'enlève également. Et vous voyez tous les effets que j'ai appliqués comme ça sur mon cercle. Après les filtres, on va voir autre chose, ce sont les générateurs. Alors, les générateurs, cette fois-ci, je vais me passer du cercle, je vais l'enlever. Ce sont des choses, cette fois-ci, que l'on retrouve également dans le menu, ici, hein, dans les générateurs, ici. Ce sont des éléments qu'on pose dans le projet. Alors, il y en a de plusieurs genres de ces éléments. Hein. Si je regarde, je vais prendre ceux que vous avez, vous, c'est par exemple cette famille de générateurs, c'est du bruit, par exemple. Vous voyez, ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut les regarder, on peut les voir, alors qu'ici, on les voit pas, hein, les générateurs. On peut les appliquer, générateurs, bruit, mais on les voit pas vraiment, donc c'est un peu bon, je préfère les prendre ici pour savoir de quoi il s'agit. Caustique, ici il s'agit de ça. Alors, par exemple, on va l'appliquer ici, on va mettre un caustique dans l'image, alors c'est ici aussi, et vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça, cet élément là qui est en plus un élément en mouvement, voilà, qui peut servir à créer. Alors si je fais de l'incrustation sur une image, ça peut donner l'effet que cette image est sous l'eau. Voilà à quoi sert ce filtre par exemple. Et puis cette fois-ci, on va aller voir plus bas dans la liste. Ici, vous voyez, il y a des choses, une chose qui s'appelle les styles de texte. Alors c'est quoi? Si je reprends un texte ici et que j'écris très vite cette chose-là, le style de texte, si je vais dans la palette de texte, ici, je vais dans ma, hop, regardez, dans ma fenêtre palette d'ajustement, vous voyez que ici, il y avait des styles qu'on pouvait préenregistrer. Par exemple, c'est ça, c'est le style Chrome ici, ou c'est le style Morning ici. Voilà. Bon, et ben ces mêmes styles, je grossisse un peu qu'on voit mieux, voilà, on verra mieux comme ça. On va en appliquer un autre qui est le Office Plus, par exemple. Voilà, c'est ce genre-là. Et ça, et bien on peut aussi les retrouver là. Non, regardez ici, on les a là également, de la même manière. Donc c'est, voilà, autre chose. Après les styles de texte ici,
On a les styles de forme. Alors les styles de forme, c'est quoi? Cette fois-ci, on va enlever le texte et on va prendre une forme. Donc je recrée une forme ici, un cercle par exemple. Je vais peut-être en faire deux, hein, ça suffit. Je repasse par mon outil flèche et ce cercle. L'autre était mieux, il était plus gros. Allez, voilà. Ici, je peux lui mettre des formes. Alors, je pouvais déjà lui mettre des formes. Un style de forme ici, vous voyez, ben, c'est la même chose en fait. C'est, regardez, alors, bon, on va les prendre ici plutôt. Et on peut même les afficher. Regardez, plutôt que de les avoir en liste, on peut afficher chacune des images, ce qui est mieux. Alors, c'est soit c'est par thème ici, vous voyez, je les ai tous ici. Soit c'est par famille ici, regardez. Alors, par exemple, si je veux faire dans citadin, ah, j'ai des gens. Je peux mettre des gens ici sur la forme. Comment? Bah, regardez, je drag and drop dessus. Copier et appliquer à la forme. Alors, ça ne me donne pas grand-chose en ça, parce qu'il faudrait que je sois non pas en remplissage sur ma forme, mais si je vais dans l'inspecteur, il faudrait que je sois en contour. Alors, si je suis en contour ici, et que je prends cette fois-ci dans ma bibliothèque les people, et que je lâche sur le. Voilà, ça me donne quelque chose. Ou voilà, c'est formé de petites personnes, de gens. Simplement, il faut les grossir un peu pour qu'on les voit mieux. Alors, people, largeur. Voilà, regardez. Donc, vous voyez qu'il y a ça, mais que ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être. Alors, on les a par ici, famille, donc filament. Donc, je prends un autre et je le mets à la place. Et vous voyez que j'ai ça à la place. Je pourrais mettre ça également sur mon cercle. Voilà, ça me donnerait ça à la place. Et on peut aussi chercher par thème, hein. Soit par famille, genre citadin, flore, garniture, lumière, ou soit par thème, science-fiction, texture, urbain, folio, abstrait, apprendre. Voilà, donc c'est deux manières de les chercher. On peut aussi les chercher par l'outil ici, en faisant par exemple light. Et là, on a tous ceux qui comprennent light. Voilà. Bon. Après les styles de forme, on a des dégradés. Là encore, les dégradés, c'est des choses qu'on avait déjà. Si je prends par exemple une forme ici, je les remplis à l'intérieur, je vais dans l'inspecteur. Vous voyez, mode de remplissage, couleur ou dégradé. Et dans ces dégradés, ici, on avait le choix entre des dégradés déjà existants, hein, sur lesquels on pouvait jouer. Et ben dans la bibliothèque, on les retrouve ici. Ça permet de les regarder et de les voir. Alors là, il faut que j'enlève ici parce que j'ai une recherche. Mais sinon, vous voyez, je les ai tous ici comme ça. Je peux me permettre de me dire, tiens, c'est celui-là que je veux. C'est par exemple le rainbow. Ou alors le rugby qui m'a l'air pas mal. Hop, j'applique le rugby plutôt. Oh non, il me plaît pas, je vais aller en chercher un autre. Par exemple, radioactif. Tiens, ouais, bien radioactif, je le mets. Voilà. Et hop, directement, je l'applique. Et après, je peux effectivement le personnaliser. Donc ça, c'est les dégradés. De la même manière, on a les polices. Bon, ça, les polices de caractère, vous savez également où on peut les chercher. Enfin, là, ce qui est bien. Et là, c'est moins utile même là. Parce que quand on fait une police de caractère sur un texte, je rappelle ici que je recrée un texte. Si je vais dans mon texte ici et que vous voyez, je prends mes polices, je peux les regarder de manière dynamique. Hein, regardez en haut, ça change en même temps. Ce qui n'est pas le cas quand je les cherche dans la bibliothèque. Donc pour le coup, sur ce coup-là, c'est mieux de les regarder ici à travers la palette ou l'inspecteur qu'à travers la bibliothèque, les polices. Donc c'est un peu le contre-exemple. Ensuite, on a quoi? On a les formes. Ça, c'est très utile aussi, les formes. Je vais enlever le cercle existant, je vais enlever ça. Alors les formes, ce sont des formes préenregistrées, mais qui peuvent être des formes assez sympas. Par exemple, ça va être pile. Pile, c'est une forme de comprimé. Ou ça peut être, regardez ici, un carré comme ça. Ou alors ça peut être, regardez, une spirale. Ou ça peut être un triangle. Hein. Donc voilà, c'est des formes qui sont en mémoire. On pouvait mémoriser les vôtres également, vous les retrouverez par la suite. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir dans cette bibliothèque quelques formes. Et puis nous avons encore ici, à part les formes, on a quelque chose de formidable qui s'appelle le content ou contenu ici. Alors là, il y a énormément de choses, 1350 éléments, qui sont des éléments de nature très diverse. Par exemple, ça peut être ici, regardez, un altimètre, un autre altimètre. Ici, ça peut être. Alors, ça peut être des choses en mouvement, comme ça peut être des photos. Par exemple, là, c'est un accordéon. Pouf, c'est un bel accordéon. Là, c'est une colonie de fourmis. Et cette colonie de fourmis, vous allez voir qu'elle va bouger. Et ces fourmis, elles bougent. On peut régler le nombre, on peut régler tout ce qu'on veut. On a une colonie de fourmis en mouvement. Si vous avez besoin d'illustrer avec des fourmis, ça peut servir. Alors là, c'est utile de prendre l'outil de recherche. Par exemple, si je fais Earth, vous allez voir que c'est en anglais, évidemment. J'ai plein de planètes, ciel, de différentes sortes. Alors celle-là, par exemple, c'en est une qui tourne. Je me remets au début, je l'enlève et je vais en mettre une autre, par exemple celle-là, qui est pour le coup une planète qui ne tourne pas, c'est une espèce de map monde à plat comme ça, ou je peux en mettre une troisième ici en couleur qui va tourner également par-dessus, voyez, comme ça. Donc ça, ce sont des éléments qui peuvent être très utiles dans une composition, hein, d'avoir ça. Et puis donc, on les recherche soit par mot-clé ici, si vous avez un mot-clé en anglais. Il y a des flèches également, hein, des flèches en mouvement, vous voyez ici, qui se tracent ici comme ça. Donc il y a tout style de flèches comme ça. Regardez ça peut être très très intéressant dans une composition d'avoir cette flèche qui vient faire ça, ce mouvement de flèche.
Bon, bref, il y a 1360 choses ici, vous pouvez les rechercher, soit comme ça ou par thème. Par exemple, ici, apprendre, qu'est-ce qu'il y a dans apprendre? Ben, il y a une alarme, il y a tout ça, il y a par exemple, il y a ces choses, toutes ces choses-là, radiographe, hop, c'est bien savoir, ouais, une horloge murale. Donc, trois manières de chercher, par outil de recherche très précis, moins précis, par famille ici ou par thème ici, hein, texture. Chercher des textures, voilà. Donc on a fait le tour, il reste encore deux choses, mais qu'on verra plus tard, ce sont les émetteurs de particules, mais ça, on les verra quand on se servira de particules plus tard. En attendant, j'espère que on a bien fait le tour de ce qu'on a trouvé dans la bibliothèque, et dans le prochain tutoriel, on verra comment aller chercher ce qu'on a vu là, c'est-à-dire soit des filtres, soit des générateurs, soit des contenus, et comment on va les utiliser dans Motion de façon pratique. Merci et à bientôt.